Je m'appelle Isabelle Daspe, j'ai 40 ans. Je suis directrice marketing dans les parfums, dans un gros groupe. J'ai une vie trop remplie. J'ai un mari formidable que tu as interviewé, il me semble, et deux beaux enfants qui me poussent à rester active et dynamique. Au-delà de Jérôme, mon coach adoré préféré. Je m'appelle Oscar, j'ai 42 ans. Je n'étais plus sportif depuis 20 ans. Et c'est grâce à Jérôme que j'ai pu me remettre un petit peu en selle, physiquement et puis aussi profiter un peu de ce temps-là pour me vider la tête, me dépenser, me défouler et faire un peu une coupure dans ma semaine de boulot. J'ai eu des grossesses compliquées, j'ai accouché prématurément, j'étais très dans l'action, très concentrée sur les problèmes de mes enfants, évidemment, à ma priorité ultime. Et je suis passée un peu au second plan. Et en fait, j'ai pas fait la rééducation qu'il fallait faire, ni des abdos, ni tout le reste. Et quand j'en ai pris conscience, tu vois, il était temps de me faire prendre en charge parce qu'en fait, Jérôme, qui a commencé par me faire faire des tests, par me faire rencontrer des spécialistes, etc., a diagnostiqué ce qu'on appelle un diastasie. C'est un écartement de la paroi abdominale, tu vois. J'avais les grands droits, en fait, qui n'étaient pas remusclés. Tout ça pour te dire qu'il y avait une vraie urgence, quelque part, médicale, à être prise en charge sérieusement par des professionnels avec un suivi adapté et un suivi personnalisé. Parce que si je l'avais fait toute seule, je me serais esquintée, je me serais fait presque plus mal que... En voulant arranger la situation qu'avec un coach spécialisé, évidemment. Je suis sportif dans l'âme, mais la vie de tous les jours a fait que la pratique du sport régulière, c'était plus tellement possible. Entre la famille, le boulot, puis la vie à Paris. Et après, c'est un peu l'importance qu'on y accorde et le temps qu'on y consacre. Mais pour ma part, j'avais un peu laissé tomber et c'est parti de ce besoin-là. Ma femme s'y est mise avant moi avec Jérôme et voyant les bienfaits, ça m'a tenté et je me suis accroché, je me suis embarqué dans le train avec eux. Jérôme, c'est quelqu'un qui est très très à l'écoute de la personne et de la réaction du corps. C'est quelqu'un de très sérieux qui va à tâtons, tu vois, avec beaucoup d'instinct en même temps, beaucoup de professionnalisme, qui a une grande expérience, donc qui repère des trucs que toi, évidemment, tu ne soupçonnes pas 30 secondes. Et donc à chaque séance, si tu veux, on adaptait, on revenait en arrière, on avançait d'un coup, on accélérait, on ralentissait. Enfin, c'était vraiment sur mesure, adapté. En fonction de la progression et de mon corps, de mes envies, de ma motivation, de mon urgence médicale. Enfin, tout ça s'est fait vraiment avec beaucoup, encore une fois, de sérieux, de professionnalisme et en même temps de bonne humeur. Parce qu'alors moi, je vais te dire, le sport pour faire du sport, la muscu pour la muscu, j'ai horreur de ça. Donc il fallait que ça soit un peu ludique, tu vois, qu'on rigole. Mais tout ça avec beaucoup d'écoute. Et encore une fois, je le répète, je radote, mais beaucoup de sérieux. La réalité, c'est que Jérôme sait lire un petit peu dans nos souhaits et nos préférences et il adapte ça, il le met en forme de façon à ce que le ludique vienne s'agréger avec ce qui est bon d'un point de vue purement sportif et pour que à la fois les séances ne soient pas répétitives, qu'elles ne soient pas portées sur ce qui nous plaît le moins. Il empêche qu'il arrive à nous en coller un petit peu quand même, mais à la fin, ce qu'il arrive à faire, c'est créer le côté entertaining de la séance et du programme. Et donc, on fait jamais deux fois la même chose. On va varier, on va évoluer, on va le faire différemment. On va alterner des choses différentes, on va combiner des choses, des exercices différents au sein des séances, ce qui permet de pas s'embêter. Ou de ne pas être dans la répétition pure et dure, et puis deux, de travailler différents aspects, différentes choses entre le cardio, la muscu, des choses comme ça. Donc c'est sympa, à la fois c'est complet, et en même temps ça nous permet à nous d'avoir un côté ludique dans la pratique. On rigole, Jérôme est très attentif aussi, même si on est deux, à ce que les besoins de chacun soient respectés.
Tu vois, c'est ça aussi le coaching sur mesure, c'est que vraiment, tu as l'impression d'être prise en charge de manière extrêmement personnalisée. C'est ça aussi qui fait que c'est rapide. C'est que ton besoin, il est adressé, il est traité. Et même si on est deux, tu vois, et que c'est ludique, et qu'on rigole, et qu'on a tous le même âge, et que pour les anniversaires des uns des autres, on boit un petit coup, bah, ça bosse, mais dans la bonne humeur.